Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le courrier que j'ai reçu de Sandra, la chaîne Scrap by Sandra. Donc elle m'a envoyé, alors c'est très joliment emballé, donc ça je vais le décoller pour le garder. Et alors c'est pour la participation à mon concours. Elle m'a envoyé une petite création. Donc voici sa carte, très jolie. Alors elle dit qu'elle s'est inspirée de la chaîne d'Agnès Louiset pour réaliser la carte. Donc on a un petit sentiment ici, un tag qui a été vieilli, une rosace avec une fleur, pareil, elle a été ancrée. Le papier de fond a aussi été vieilli. Là on a de la dentelle, très jolie carte. Voilà pour la carte. Et elle m'a fait une carte Memory Dex dans le thème vintage. Donc voilà, avec des fleurs. Alors j'aime beaucoup le... C'est un détail, mais qui me plaît beaucoup le tour au crayon, crayon noir. J'aime beaucoup. Donc là, on a des rouages en papier. On a de nouveau la dentelle qu'on avait sur la carte. Les tampons, là, ils sont sympas, ces tampons, tampons post un peu comme la poste, là. Au milieu des fleurs, elle a mis des brades à paillettes. Je sais pas si vous avez, si ça, on voit que ça brille. Donc, voilà pour le courrier de Sandra. Donc, merci beaucoup, Sandra. Vous êtes deux sur toutes les participantes à m'avoir envoyé un courrier. Donc, Taous et Sandra, je vous remercie énormément. D'ailleurs, en parlant du concours, je vais vous montrer... Alors, juste quelque chose vite fait. Alors, il faut que je la trouve. Je vais vous montrer une planche de tampon qui sera notamment à gagner. Parce que je l'ai en double. On me l'a offerte alors que je l'avais déjà. Alors. Bien sûr, je ne vais pas la trouver. Ah bah si, elle était juste là. Donc, cette planche de tampon, ah bah vous y voyez que dalle. Bien sûr, il fait pas très beau, donc... Alors, sur quoi je vais pouvoir vous le montrer pour que ça ressorte? Là, vous voyez, c'est une planche de Noël avec des lutins. Donc voilà, cette planche de tampon sera dans le lot du concours. Fin de la parenthèse. Alors, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu. Avec Agnès, on s'est lancé comme défi pour ce mois-ci. Il fallait envoyer une ou deux créations, plus une enveloppe mystère où il n'y a que du matériel pour réaliser quelque chose. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Et on fait une création de notre choix et on envoie le matériel que l'on veut. La seule consigne, c'est qu'on a le droit de rajouter seulement de la colle. Il faut réaliser une chose ou plusieurs choses avec ce qu'on a reçu. Donc, j'ai reçu son colis qui est assez mastoc. J'ai juste déscotché parce qu'il y avait beaucoup de scotch. Encore d'ailleurs. Alors, attention fragile, à manipuler avec précaution. Rosalie. Donc ça, ce papier-là, elle avait marqué mon adresse. Ben, je vais m'en servir, je vais le garder. Alors, on va sortir. Ah, ça c'est l'enveloppe mystère. Donc l'enveloppe mystère, je vais l'ouvrir en dernier. On va d'abord, ça sent bon. Voir ce qu'elle a fait. Alors, ça m'embête. Voilà. Il y a des bulles, il y a des bulles. Alors, petit nounours, s'il veut sortir. On va le faire sortir du coup. En tout cas, c'est bien emballé. Alors, regardez, elle m'a envoyé son petit nounours qu'on voit souvent sur ses photos avec le gros nounours. Je l'adore ce nounours. Il est trop mignon. Tadam! Ah, c'est cool, il bouge et tout. Trop sympa. Donc, ça,
on va le mettre en haut du bureau, comme ça il va pouvoir veiller sur moi. Alors ensuite, là qu'est-ce qu'on a? Sticky note. Oups. Oh, ça c'est super parce que j'ai vu les derniers papiers scrap new age avec sur les constellations, tout ça. Autant vous dire que le mois prochain je pense que je vais craquer, parce que William, vous savez, il est fan d'astronomie et il fait de très belles photos. Donc alors ça c'est Cali qui a réalisé des ATC, donc c'est la petite fille d'Agnès, c'est la une sur une. Et alors le fond c'est du papier peint, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment du papier peint. Donc ça c'est pour Léa, alors je lui donnerai tout à l'heure. Donc là on a du masking tape avec des fleurs et des papillons, les papillons sont faits dans du papier peint aussi. Donc ça c'est aussi sa petite fille. Alors ça je sais pas ce que c'est comme découpe. Ah si, c'est un lapin. Ce sont des petits lapins. Là, vous voyez son œil, ses oreilles, un nœud. Oh, c'est trop mignon. Ah, Loli qui aboie, bien sûr. Voilà. Ensuite. Oh, oh, c'est un taille-crayon. Alors, ça, elle l'avait mis sur Instagram, ce petit renard. Et j'avais dit que je le trouvais très joli, et du coup, elle me l'a offert. Et alors, c'est un taille-crayon. C'est cool ça. Moi je croyais que c'était juste un embellissement, mais non, c'est un taille crayon. Ah, c'est très sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vais pas les manger, autant vous dire. Hein. C'est pour le chat. Et là, qu'est-ce qu'il... Oh, ça je vais le manger par contre. Un petit paquet de Twix. Ah ben merci beaucoup Agnès, c'est très gentil, moi qui suis gourmand. Et ça, donc ça c'est pour Loli. Loli, Loli, on va voir si elle aime. Tu veux le gâteau? Alors elle renifle. Tu le veux ou pas? Bon, je lui mets, on verra bien si elle le mange. Oh, elle a pas l'air d'aimer. C'est à quoi? Bœuf, poulet, agneau, tu devrais aimer. Donc, alors là. Hop, un très joli ruban. C'est pas les... Je sais pourquoi elle veut pas le manger. C'est pas les gâteaux qu'elle mange d'habitude. Donc, elle se dit, qu'est-ce que c'est ce gâteau? Mais mange-le, le gâteau. Je sais pas si vous l'entendez, elle est en train de chouiner. Non, mais oh. Ouh là là, ça a l'air d'être très 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 beau. Alors les rubans, on va les garder. Par contre les gâteaux du chien là, fou, ça cocotte. Waouh waouh waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est trop beau. Alors que je casse rien. Oh. Ça sent bon. Mmh, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Alors voilà, elle m'a fait un petit sac avec. Oh, je sais pas ce que c'est ce parfum, mais ça sent trop bon. Avec plein de babioles, on va dire. Et un petit ourson nacré là. Voilà. Hop. Voilà. Des rubans. Ici, alors c'est pas pratique pour vous montrer. Ici, il y a des fleurs. Donc c'est un tissu, ben, j'ai commandé exactement le même tissu. Et là, alors, on dirait du mastic. Je sais pas si c'est de la pâte à structure ou du mastic. Du coup, elle a plié le tissu. C'est fait avec du craft, une pochette craft. Et le tissu par-dessus, je pense. Regardez, j'ai commandé exactement le même tissu. Ben, vous voyez pas, mais il y a des cartes. Bon, enfin bref. Alors, à l'intérieur... Il y a un truc trop beau. Donc je pense que c'est un junk journal. Excusez-moi, je l'envoie un peu enroué. Alors, je sais pas comment ça se met. Comment ça se tient. S'il y en a un ou deux, on va voir ça. Est-ce que ça c'est collé ou est-ce que c'est emmêlé?
C'est emmêlé. Hop. Donc voilà la couverture avec les papillons. Waouh, waouh, c'est trop magnifique. Alors, on a trois livrets là-dedans. Je sais pas si c'est attaché ou emmêlé en fait. Alors que je... Agnès, il faudrait que tu me dises si c'est attaché ou emmêlé. Non, je pense que c'est attaché entre eux. Oh là là, il est trop beau. Eh ben, Agnès a dit qu'elle fait pas de scrap, mais... Dis donc, sur ce coup-là, elle s'est surpassée. Donc je vous montre vite fait toutes les pages, c'est magnifique, vraiment. C'est ultra magnifique. Alors, là on a un petit tag. Tac. Et bah là, chapeau. Alors bah moi, elle m'a dit de pas faire grand chose, j'ai pas fait grand chose. Ah, une carte Memory Dex. Oh, elle est belle. Oh, elle est super. Elle me marque qu'elle met pas les infos parce que je les connais. Bah, moi aussi, du coup, je n'ai pas marqué beaucoup d'infos sur ma carte Memory Dex que je lui ai faite. Chou, c'est magnifique. Alors, les papiers... Bon, je la remets là, mais après, je la mettrai sur mon support. Les papiers, là, je sais pas où est-ce qu'elle les a trouvés, mais ils sont super. Une petite tour Eiffel. Franchement, là, elle a vieilli le papier et tout. Je pense qu'elle a fait tremper. Alors là, ça a collé. On va essayer de rien casser. Oh, mais du coup, elle m'a mis des pochettes. Ah ouais, j'avais adoré cette découpe. Oh, super. Alors, tac. Je l'avais adoré, cette découpe, et du coup, on en a mis deux. Peut-être que c'est le... Peut-être qu'elle a vieilli le papier avec du thé et du coup c'est pour ça que ça, c'est parfumé. Oh, c'est génial, franchement. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ces petites cartes. Elles sont sympas. Bon, en fait, elle m'a fait... c'est un mix entre le junk journal et le flipbook, je dirais. Parce que du coup, les livrets font penser au junk journal. Et le fait qu'elle m'ait mis des petits cadeaux partout, ça fait penser au flipbook. Vous voyez là et là ici. Oh, je peux pas vous montrer. Si, voilà. C'est super. Oh, je sais pas si c'est des trucs qu'elle a imprimés ou pas. Oh. Est-ce que c'est collé derrière? Oui, c'est collé. Ah, ça se soulève. Je sais pas si c'était collé ou si ça se soulève. On va pas. Alors là, j'ai encore des belles choses. Là, dans la pochette. Waouh, 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 elles sont magnifiques les cartes. Là, franchement, merci beaucoup Agnès, j'adore. Ah, bah tu vois, mon colis il est gros, mais il n'y a pas autant de choses en fait. Là, on a un papier comme ça. C'est trop beau. Et donc là, on a des découpes. Je vais pas les sortir pour pas les abîmer, mais c'est une coiffeuse. Avec son petit siège en fait. Là il y a la coiffeuse et là il y a le petit siège. Molly, eh ben. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, elle a mis des fleurs séchées. Ça fait trop joli. Ça c'est une super idée ça. Encore des petites cartes. Ça c'est les mêmes que tout à l'heure, je peux pas les ressortir. La dentelle ici est très jolie. Ah, excusez-moi pour Loli qui aboie, elle a dû entendre un bruit. Ah, Agnès, il faut que tu me dises où c'est que tu as pris tous ces papiers là parce que vraiment ils sont beaux. Donc là on attaque le deuxième livret. Avec Alice au pays des merveilles, il y a des tamponnages d'Alice. C'est super hein. Ça, est-ce que ça se... C'est collé ou pas? Je sais pas. Je pense oui. Je pense que c'est collé. Ah, pas sûr. Parce que je vois qu'il y a des images de bonnes filles là. Petite fille. Ouais, c'est pas collé. Oh là là, c'est beau. Ce tag est beau. Très très beau. Et ben là, Agnès, tu m'as surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Madame, j'aime pas le papier. J'aime pas travailler. Je préfère le tissu. Et ben là pour le coup, waouh, agréablement surprise. Vraiment,
Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'espère que vous voyez bien. Oh, cette cage est belle aussi. Encore des petites cartes. Oh, c'est génial ces petites cartes. Je sais pas où est-ce qu'elle les a trouvées. Je veux savoir où est-ce qu'elle les a trouvées parce qu'elles sont trop belles. Ça, c'est pas des trucs imprimés, ça. Hein. Encore un nouveau taille. On reconnaît toujours son papier déchiré. Qu'elle utilise beaucoup en ce moment. Celui-là, oh non, il est même pas collé. C'est super. Hop, waouh. Eh ben, elle m'a gâté, Agnès, là. Oh, ça, c'est cool. Ah, ça, ça doit être du papier qu'on trouve dans les boîtes de chocolat, peut-être. Ça y ressemble, en tout cas. Et voilà, on arrive à la fin. Eh ben, merci beaucoup, Agnès. C'est super beau. Super, super beau. Alors, la pochette est immense. Hein. Vraiment. Donc ça, je vais le remettre là-dedans. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Bon, alors là, j'ai hâte de trouver, de voir ce qu'il y a dans l'enveloppe mystère. Parce que c'était déjà très beau, là, ce qu'il y avait. Alors, dans l'enveloppe mystère, voyons ce qu'il y a. Donc moi, vous verrez la vidéo de ce que je lui ai envoyé. Et pour l'enveloppe mystère, il faudra aller voir sa vidéo. Tomber les choses. Alors, on a de la dentelle. Tac. Donc là, avec ce que j'ai ici, je dois réaliser une ou plusieurs choses. De la dentelle comme ça. Ok. Un ruban rose. Rose satin. Ah, des petites pinces à linge. Ok, des petites roses. Donc voilà, il y en a une autre là. De la ficelle. Ah, elle m'a mis ses petites cartes. Alors ça, ça doit venir d'un bloc de papier parce que le papier derrière il a été découpé. Donc ça doit venir d'un... Mais j'ai jamais vu ce bloc de papier. Ou... C'est peut-être pas du papier d'action aussi. Hein. Toga, ça doit être Toga, il y a écrit venez visiter notre site Toga Shop, donc ça doit être une feuille Toga. Ah super, elle m'a envoyé une pochette craft, des chipboards un peu bohémien, un peu, je sais pas comment vous dire hein. Et du papier. Alors. Tac. Ah, il y a une lettre après. J'arrive pas à décoller. Voilà. Ok. Ah ben alors, Agnès, moi j'ai envoyé plus de choses au niveau de l'enveloppe. L'enveloppe mystère. Donc il va falloir que tu te sortes les doigts du Luc. Tu vas avoir de la création à faire. Attention, papier mystère. Ok, ok. Donc voilà. Donc j'ai le droit de rajouter seulement de la colle. Ça va être dur quand même. Parce que j'aurais bien mis un peu plus de fleurs ou des choses comme ça, Agnès. Mais bon, je vais relever le défi. Je vais faire qu'avec ce qu'elle a envoyé. Mais je sens que ça va être dur.
J'ai peur que je me serve de tout juste pour la pochette. Au pire, il n'y aura qu'une création. Hein. On verra ça. Donc maintenant, eh bien, alors le but, j'ai oublié de vous dire, c'est que la création que l'on fait avec le matériel que l'on reçoit, faut pas la montrer, bien sûr. Il faut la renvoyer à la personne qui nous a envoyé ce fameux matériel. Donc, une fois que j'aurai fini de faire ma création avec l'enveloppe mystère d'Agnès, excusez-moi, j'ai le OK, je lui renverrai ma création. Voilà. Je sens que ça va être super ce défi. Je le sens bien. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je filme samedi, mais vous l'aurez sûrement mardi ou mercredi, cette vidéo. Sandra, je te remercie pour ta participation au concours. Et puis voilà, à très vite.